Comment préparer du kéfir d'eau de coco pour être en meilleure santé? Le kéfir est un produit probiotique élaboré à partir d'un processus de fermentation qui permet le développement de bactéries bienfaisantes pour la santé. Ces grains ont un aspect similaire au chou-fleur, mais le kéfir est bien plus mou et gélatineux, en plus de disposer de propriétés médicinales exceptionnelles. Les principaux micro-organismes qui le composent sont issus de la bactérie Lactobacillus acidophilus et du champignon Cluiveromys marxianus, même s'ils peuvent varier en fonction de la région dont le kéfir provient et de la manière dont il est préparé. La recette traditionnelle du kéfir se base sur du lait de vache, ce qui lui permet d'avoir une saveur et d'une texture similaire au yaourt. Cependant, vous pouvez également préparer du kéfir d'eau de coco. Vous obtiendrez, de cette manière, davantage de minéraux essentiels et moins de calories. Nous vous présenterons ci-après la recette du kéfir d'eau de coco, pour que vous puissiez profiter de tous ses bienfaits à la maison. Essayez-le dès aujourd'hui. Le kéfir d'eau de coco pour améliorer votre santé. Le kéfir d'eau de coco est un aliment fermenté préparé à base d'eau de coco biologique, qui ne doit pas être chauffé ou transformé pour conserver tous ses bienfaits. L'association du kéfir, un probiotique lactique, avec les électrolytes et les nutriments de l'eau de coco, nous permet d'apporter de nombreux bienfaits à notre corps. Durant le processus d'élaboration du kéfir d'eau de coco, les sucres naturels de la préparation se transforment en bactéries lactiques. Lorsque nous les absorbons, elles font beaucoup de bien à nos intestins. Le kéfir d'eau de coco contient des minéraux essentiels comme le potassium, le sodium et le magnésium, qui sont nécessaires à notre organisme pour qu'il puisse bien hydrater les cellules qui le composent et pour le fonctionnement général de nos muscles et de notre cerveau. D'un autre côté, les bienfaits du kéfir d'eau de coco permettent d'améliorer le fonctionnement de notre système rénal, ce qui permet de faciliter l'élimination des toxines et des métaux lourds qui peuvent former des caillots, obstruant ainsi nos vaisseaux sanguins. Les antioxydants contenus dans la préparation permettent d'améliorer la circulation du sang, optimisant ainsi le processus d'oxygénation cellulaire de notre corps et le fonctionnement de notre oxure. De fait, grâce à son apport en vitamine E et en acides gras, le kéfir d'eau de coco est un excellent complément pour nous permettre de contrôler notre taux de cholestérol et notre pression artérielle. Ces bactéries saines rééquilibrent la flore microbienne de nos intestins, fortifiant ainsi les défenses naturelles de notre corps et augmentant notre capacité à faire face aux micro-organismes nocifs qui attaquent en permanence notre corps. Comment réparer du kéfir d'eau de coco? Pour pouvoir profiter de tous les bienfaits du kéfir d'eau de coco, vous devez suivre quelques étapes très simples. Assurez-vous d'utiliser de l'eau issue directement d'une noix de coco, car l'eau de coco industrielle n'a pas les mêmes propriétés. Ingrédients. 1 litre d'eau de coco. 100 g de grains de kéfir. Ustensiles. Un bocal en verre. Préparation. Introduisez les grains de kéfir dans un bocal en verre. Ensuite, il vous suffit simplement de verser l'eau de coco dans le bocal.
fermer le bocal, puis stockez-le dans un lieu frais et à l'abri de la lumière, pendant 48 heures. Après ce laps de temps, vous allez remarquer que les grains de kéfir vont remonter progressivement à la surface. Filtrez le mélange obtenu avec un tamis très fin. Stockez les grains de kéfir au réfrigérateur, pour pouvoir recommencer l'opération. Maintenez le bocal de kéfir fermenté à l'abri de la lumière pendant 2 jours. Puis, ouvrez le bocal pour permettre d'évacuer les gaz produits durant la fermentation. Méthode de consommation. Vous pouvez consommer du kéfir d'eau de coco directement, ou vous pouvez lui ajouter des fruits secs et des baies, pour lui donner une saveur bien plus agréable. L'idéal est d'en consommer à jeun car, de cette manière, ses propriétés nutritionnelles vont agir durant toute la journée. Vous pouvez également en consommer lorsque vous sentez que vous êtes fatigué ou que vous avez un petit creux. N'oubliez pas. Les grains de kéfir peuvent être réutilisés autant de fois que vous le désirez, car la fermentation permet de les garder dans un état parfaitement préservé. Lorsque vous avez fini de réaliser votre boisson, nous vous recommandons de suivre ces conseils. Prenez les grains de kéfir et mettez-les dans un demi-litre d'eau, avec 2 cuillerées de sucre. Laissez reposer les mélanges entre 2 et 4 jours, en ouvrant le bocal de temps en temps, puis sortez-les. Sortez les grains à nouveau, puis mélangez-les avec de l'eau de coco en suivant notre recette. Comme vous pouvez le remarquer, la préparation du kéfir d'eau de coco est extrêmement simple. Les bienfaits que cette boisson va vous apporter sont exceptionnels. Achetez rapidement les ingrédients dont vous avez besoin et préparez cette recette pour commencer à profiter de ses propriétés au quotidien. Ses effets ne sont pas immédiats. Vous vous sentirez néanmoins en meilleure santé en l'espace de quelques jours.